tutoriels, vous allez apprendre comment vous connecter et vous déconnecter de la plateforme Skolab. Vous allumez votre navigateur Internet. Une fois que votre navigateur est allumé, vous tapez l'adresse Skolab. Une fois que l'adresse est tapée, vous appuyez sur Enter. Une fois que vous êtes sur la plateforme, vous cliquez sur le bouton connexion en haut droit de votre écran. Après cela, vous verrez le formulaire de connexion qui va apparaître où vous allez taper les identifiants qui vous ont été envoyés par SMS. Une fois que le formulaire de connexion est allumé, est apparu devant vous, vous tapez le nom d'utilisateur qui vous a été envoyé par SMS. Vous tapez aussi le mot. Une fois que la saisie est finie, vous appuyez sur le bouton de connexion. Une fois connecté, vous verrez ce message apparaître lors de votre première connexion où on vous demande d'échanger votre mot de passe pour pouvoir mieux se connecter à la plateforme. Sur ces champs-ci, vous allez taper votre nouveau mot de passe. Une fois la saisie de votre mot de passe terminée, vous allez appuyer sur enregistrer. Vous pouvez reprendre le même mot de passe par défaut si vous voulez toujours continuer à vous connecter avec. Mais nous vous conseillons de changer quand même votre mot de passe. Vous enregistrez. Lorsque votre mot de passe est enregistré, vous êtes connecté à la plateforme. Alors, pour pouvoir vous déconnecter, je l'ai dit au début, on va apprendre comment se connecter et se déconnecter. Il y a un petit rond noir ici au coin droit haut de l'écran. Vous appuyez dessus, il y a un menu qui apparaît et vous appuyez sur déconnexion. Voilà, vous êtes déconnecté. Merci d'avoir suivi ce tutoriel sur la connexion et la déconnexion à la plateforme Skolab.